Now we're going to pray. Maintenant, on va prier. For a lot of things together. Pour beaucoup de choses en même temps. Alléluia. Come Holy Spirit. Viens Seigneur Esprit Saint. Come Holy Spirit. Viens Seigneur Esprit Saint sur tous ces corps. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I speak to your hands. Je vous parle à vos mains. I speak to your arms. Je parle à vos bras. Keep praying, keep praying. Continue de prier, continue, continue. I speak to your shoulders. Je vous parle épaules. I speak to your necks. Je vous parle vos cou. I speak to your spines. Je vous parle colonne vertébrale. I speak to your hips. Je vous parle hanches. I speak to your legs. Je vous parle jambes. I speak to your ankles. Je vous parle chevilles. I speak to your feet. Je vous parle pieds. Be healed in Jesus' name. Sois guéri au nom de Jésus. All pain be gone. Que toute douleur soit partie. All restriction be gone. Que toute restriction soit partie. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. All paralysis be healed now. Que toute paralysie soit partie maintenant. In the name of Jesus Christ, our Lord. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. I take authority. Je prends autorité sur toute oreille. And I speak to you now. Et je vous parle maintenant. Be open. Sois ouvert. Be opened now. Sois ouvert maintenant. Hear. Écoute. Hear for Jesus' sake. Entende pour Jésus. Now, just for the glory of God. Maintenant, que pour la gloire de Jésus. Amen. 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 And I speak to your eyes. Et je vous parle à vous, les be yeux. Cleansed. Sois purifié. Be healed. Sois guéri. Darkness leave. Ténèbres, partez. Every sickness of the eyes be healed. Que chaque maladie des yeux soit guérie. Be opened in Jesus' name. Sois ouvert au nom de Jésus. See clearly. Voyez clairement. For the glory of God. Pour la gloire de Dieu. If you had healing in your body from that prayer, si vous aviez eu guérison dans votre corps pendant cette prière, wave both hands now. Secouez les mains comme cela. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Come on, wave your hands. Comme cela, allez-y, allez-y. 3, 4, 5, 6, 7. Thank you. Merci. 21, okay, 21. Sit down. Asseyez-vous. You had healing in your ears. Si vous stand avez up. Une guérison en vos oreilles, levez-vous. 1, 2, 3, 4, 5. Who else? You five, please come down. Vous cinq, par ici, s'il vous plaît. Please come down. If venez, you have venez, hearing venez. Aids, bring them with you. Si vous avez des aides auditives, il faut les amener avec vous, s'il vous plaît. What's vous, monsieur, quel est le changement? J'ai l'impression que j'entends aussi bien qu'avec mes appareils maintenant. Ah. Donc voilà, je les ai enlevés. Bon, vous avez dit les enlever. Hearing aids. Okay, excuse me. Two hearing aids. What is the change? Quel est le changement maintenant? He said he hears as well now without his hearing aids as he did before with them. Hallelujah! 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 What is the change? Vous, monsieur là. Two more hearing aids. Ok, what is the change? Et quel est le changement, monsieur? Bien, je me passe de mes appareils. I don't need my hearing aids anymore. Hallelujah! What is the change? Je me sens beaucoup plus libre au niveau de l'audition. C'est-à-dire avant, le bruit me dérangeait beaucoup. Je dois me faire appareiller et je crois que j'en ai pas besoin, le Seigneur. So before, whenever there was noise around her, she found it very irritating, and she couldn't stand noise. Now she can. Hallelujah! Great. And you? Loudly. Depuis le début de la semaine, j'ai une douleur dans l'oreille gauche, à l'intérieur, comme une inflammation, et depuis tout à l'heure, la douleur diminue. So since the beginning of this week, she's had a problem inside her left ear, as if something was ill, inflammation, something was ill, and now it's beginning to shrink. To go hallelujah, away. Hallelujah. Okay, if you had a healing in your eyes, si vous avez une guérison dans vos healing yeux, in your eyes, who is that? Put your hand up. Dans vos yeux, levez les mains. This lady was healed. Okay,
1, 2, who else? Qui d'autre? Secouez la main, comme ça. There is more than that. 3. 3. Who else? Qui d'autre? 10. Okay. 10. You 10, come down, please. Vous 10, par ici, s'il vous plaît. You were here before, but you still needed your glasses. What is the change after this prayer? Vous avez été guéri, mais après la première guérison, vous avez eu toujours besoin de vos lunettes. Seigneur, qui rentre dans mes yeux et qui éclaire mes yeux, et il l'a fait. I asked the Lord to enter into my eyes and to bring His light into my eyes, and He did so. And now, excuse me. Et maintenant? So this is the lady who had the double vision. C'est la femme qui avait une double vision. Et qui ne pouvait pas voir loin. And then she had single vision and she could see clearly, but with the glasses. Do you remember? Avant, elle n'avait pas vision double et elle pouvait voir loin, mais seulement à travers des lunettes. Show them your face. Vous vous souvenez? Retournez-vous, madame, pour qu'ils puissent vous voir. Do you remember? Okay. Vous now. Souvenez d'elle? Maintenant. Now, you don't need your glasses at all. Maintenant, vous n'avez plus besoin de vos lunettes? Non, ça fait 20 ans que j'en ai. So it's 20 years since he's had her glasses, and, she doesn't need and now she doesn't need them. Glory to God, hallelujah. Glory to God. Okay, what was the change for you after the prayer? Can we move? Je porte des lunettes depuis que je suis petite, tout bébé. So I've had glasses since very little, since I was a child, a baby. Okay. Et là, je ne les ai pas remises parce que je sens que je vois de mieux en mieux et d'habitude je louche. So I can see things are getting better and better now. Normally I have eyes which get crossed. Oh really? Yes. Since you were a child? Depuis votre enfance? Oui, depuis mon enfance. And now your eyesight's getting better and better. Et maintenant ça va de mieux en mieux? Oui. Et alors je ne sais pas si je continue pas à loucher, mais. She asked if her eyes continued to not look in the same direction like that, and I said that. No, show the people in the front. Your eyes are perfectly straight. Look. Montrez aux gens là tout devant. Les yeux sont tout à fait normaux. If her eyes are perfectly parallel. Secouez vos mains comme ça si ses yeux sont tout à fait normaux. Amen. Amen. Since her childhood. Depuis son enfance. Alléluia. Alléluia. Et madame, vous avez quel âge? 48 ans. 48. 48? So how many years from your birth did you have this problem? Or how old were you when you had Donc, the problem? Vous aviez eu quel âge plus ou moins quand vous avez commencé à avoir ce problème et pour t'aider? Quand je suis née. From birth. From birth. Jet, do you see this? Vous voyez? She had this problem with her eyes from birth. Ce now problème depuis sa naissance et ça y est, c'est guéri. Quel est le changement? J'étais sur le point de me faire opérer de la cataracte, mes lunettes ne me servaient plus à grand chose, et là je vois très bien à travers mes lunettes. Elle était au. She was about to have an operation in her eyes because she had a cataract. She had a cataract in her eye, and she was about to have an operation to fix that. And her glasses were useless. She couldn't see anything, and now she sees fine with her glasses. Just perfect, as good as the other eye. Les deux yeux. Was it one eye or two eyes? Ah. Two eyes. And now, perfect. Praise God, hallelujah. What was the change? Quel est le changement dans une phrase? En fait, j'avais une baisse de la vue due à une malformation que j'ai depuis la naissance, donc je ne voyais pas de près. Il me fallait des lunettes. Et là, après la prière, j'ai pris le livret qui était près de moi et j'arrivais à lire de près. So she had an eye problem from birth, which was getting worse and worse and worse, and she couldn't read. But after the prayer, she took her glasses. Avec les lunettes ou sans les lunettes pour lire? Sans lunettes pour lire. So she took her glasses off and she started reading the booklet in front of her. Hallelujah! Quick conviction. Rapidement. What's the change? Quel est le changement? Moi, je ne voyais pas de loin. Et là, je suis tout au fond, je suis assise tout au fond et j'arrive à voir de loin, sans mes lunettes en fait. Ben, je les avais déjà enlevées quand on a fait la première prière et j'étais là, j'hésitais, j'avais peur. Et quand il a dit qu'il y a des gens qui ont peur, je vais me lever quand même. Voilà. So she couldn't see at distances, but
Before the prayer, she took her glasses off, and now she could see everything that's happening on the stage. Okay. Moi, depuis 40 ans, je ne vois pas de prêtre. Depuis tout à l'heure, j'ai enlevé mes lunettes et je vois le. Je peux lire dans le livret. You can read now. She can read now. Amen. Amen. This one from birth, yes. Je ne voulais pas voir de loin, et maintenant je vois sans mes lunettes. Ça va un peu flou, mais je vois distinctement. So he couldn't see far away, and now he can. It's slightly fluid, yeah. But. She came with crutches and she doesn't have a baby. Where are they? Où sont vos... Run and get them. Look! Hallelujah! Come up! Hold this. Timmy. Run. Vous avez eu ce problème depuis combien de temps? Ça fait des années. Je marchais en canne il y a 6 ans. Mais je souffre depuis des années. So she's had this problem for years and years. She's walked with her sticks for 6 years. For 6 years. And when you arrived, show us how you were walking. Et quand vous êtes arrivé, montre-nous comment est-ce que vous marchiez. And how slowly. Comment et à quelle vitesse? For 6 years. Pendant 6 ans. Ah, plus longtemps. Elle marche beaucoup moins vite que ça d'habitude. It was slower normally. Okay. So how slow? Quelle vitesse? Is this your friend? Yeah. This is her friend. How was she walking before? You see, when people are healed. Quand les gens sont guéris. They can't remember what it was to be sick. Ils ne se souviennent plus quelle est la maladie. Et qu'est-ce qui a causé ce problème? Alors j'avais la maladie de Lyme et un problème moteur inexpliqué. Lyme's disease and a movement problem that they couldn't diagnose. Okay. All better now. Tout est guéri. Gloire à Dieu. Alléluia. If you had a lump or a tumor and you feel a change, put your hand up. Sometimes it's immediate, so it's worth asking. Parfois c'est tout de suite, donc il faut la peine de poser cette question. 2. 1, 2. Who else? 3. 3. Who else? Okay, right. How big was the tumor before? Donc c'était à quelle taille avant? Avant, quelle taille? J'avais 3 doigts de nodules. So before, you could put sort of 3 fingers here and everything around was all inflamed. And now, there's only a small lump. Swollen? Et gonflé? Oui, c'était gonflé. And now, on devait m'opérer en avril. Et j'en fais à l'hôpital ce vendredi, le 16. She was supposed to be operated in avril, April. Oui. Et je dois passer un scanner le 16. And she's going to, on the 16th. Vendredi prochain. So, on Friday, next Friday, to get a CAT scan. Un scanner avant l'opération. Tell your doctors what happened to you. Dites à vos médecins ce qui s'est passé. How big was the tumor? C'était quelle taille avant, madame? C'était grosse cerise, enfin deux. À droite et à gauche, c'est plus, ils sont plus. Des nodules aussi à la thyroïde. Quelle taille? Comme des grosses cerises. I'm like large cherries.
Like much, or like this? Okay, two? Two of them, yeah. And now? Et maintenant? Et maintenant, now she can't feel them anymore. And how long had you had this? Et vous avez eu cela depuis combien de temps? 15 ans. 15 years. 15 years and just... Amen. You had a growth, a tumor in your breast. Was it benign or cancerous? Cancer. And what size in your breast? 7 centimeters. Like that? Like that? So she had a cancerous tumor in her breast. This was this big. Okay? How big is it now? Maintenant, ça fait quelle taille? She can't find it anymore. Glory to Jesus. Amen. Okay. Little tiny. You see, little tiny matters. Très, très petit, mais c'est important pour Dieu. C'est comme un grain de thé qui était 5 millimètres. So she had something there. She wasn't sure what it was, so she was going to go visit a doctor. It was about 5 millimeters, and now it's about 1. 5 millimeters, 1 millimeter. Bless you. Amen.